Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Le défi des clés du dédale se déroule bien. Réveillon. Vous aurez un instant. Merci de venir parler à Chick. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler? Oui. Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. Thank you.
J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpenta. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais une découverte. Avez-vous
acheter le créasor pour l'enclos de reproduction. Préolard, me voilà. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Regardons un peu ce que nous avons. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Chick et les Sombrales. J'ai sauvé les Sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les Sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos ? Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces Sombrales. Prévenez Chick une fois qu'ils se seront reproduits.
Revelio. Tu as eu tes gants en cuir de dragon? Je t'ai vu tenir cette margalou. Revelio. Si quelqu'un a besoin d'aide pour une rédaction ou un devoir, je suis toujours prêt à l'aider. J'ai écrit 5 pages pour Vin. Confringo. Revelio. Je me demande pourquoi Madame Kogawa n'est pas devenue joueuse professionnelle. Tous ces nouveaux manuels.
Duncan te doit sa réputation. Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sort trouvé dans le scriptorium ? Le livre de sort de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Je sais que c'était nécessaire pour ouvrir le scriptorium, mais je ne le referai pas. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferai mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Hominis, Sébastien voulait bien faire. Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Pauvre Anne et Sébastien. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas... Je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Revelio. Lumos. Réparo. Revelio. Revelio.
Revelio. Lumos. Vous sentez quelque chose, une sorte d'odeur infâme, par exemple? Eh bien, sachez qu'elle ne provient pas de moi. Pour être honnête, c'est trop gênant pour faire ça dans certains secondaires. Attention à la dalle sous vos pieds, vous pourriez libérer une odeur épouvantable. Attention, je vous supplie. Si vous faites ne serait-ce qu'un mot de main. Revelio. 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 Bonjour Samantha, tu es là pour jouer au plateau d'attraction? Oui, je suis assez douée pour ça. Je jouais tout le temps avec mon frère à l'époque, jusqu'à ce... peu importe. Alors, on peut commencer? Oui, ça me tente. Dans ce cas, c'est parti. Devoir faire mieux que ça. Oui. Action. Tu vas devoir faire mieux que ça. Eh bien ça alors, j'ai gagné. Belle partie! Tu veux retenter ta chance? Oui, avec plaisir. Ah, parfait! Ah.
Action. C'était incroyable. Je vais rattraper mon retard. Action ! Oui ! Action ! Oh, comment je vais rattraper mon retard ? Eh bien, c'est la fin. Après ta débâcle contre Nati en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment surestimée. Ne dis pas ça, Samantha. T'es une bonne joueuse. C'est gentil à toi de dire ça. Mais si je suis douée, c'est que toi tu l'es encore plus. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance.
Je me demande qui vivait ici. Oh non, c'est pas vrai. Action ! Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Ça n'a pas été trop dur. Rebellion. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ?
C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier ou erré, et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitantes de Préolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la 3e fois que je vois un fangu aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Revelio! Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobelin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Oh, c'est
pourrait me rendre utile si je n'étais pas de corvée de guet. Croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réparons. Ça alors, par Merlin? Ce sont des dragons? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant, et pourquoi ces secrets. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour finir un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Bah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ha! Moi, je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment...
As-tu entendu ces gobelins? Ranrok et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Garde tes accusations. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Rebellion. Ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Allô, Mora. Thank you.
pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Par ici. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partisan. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. D'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Je devrais informer Chic de la naissance du Sombral.
Bonjour, Chic. J'ai une bonne nouvelle. Un petit sombral est né. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrales. Chic a de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chic. Qu'est-ce qui est de ta faute ? Il y a des années, le maître de Chic lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chic avait jamais vue. Chic a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chic a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chic a dû se punir. Alors que Chic se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chic pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chic ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chic est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve. Quelle horrible histoire, Chic. Je suis désolé. Chic n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chic se demande souvent comment va ce phénix. Chic a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Oh, Chic doit se racheter pour ses actions passées. Revelio.
C'est donc ça le port souterrain. Madame Grise. Je lui dirai bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je la voir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du Vif d'Or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? La chrysalide dorée. Non. C'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Felicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les Horcrux. Non, la réponse était les reliques de la mort. D'après Beedle le Barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le cognard. Désolée, mais la bonne réponse était le swaffle. Lorsqu'un poursuiveur lance le swaffle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points.
Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Vrai. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Revelio ! J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Lumos. Revelio. Lumos. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Excellent travail.
Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur ? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre visite à une ancienne aurore à Campolar en haut était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Je ne préfère pas imaginer de quoi il s'agissait. Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de remplir mon guide du sorcier. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêt pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends, et amenez quelqu'un qui parle le Gobelbabil. Quel plaisir de vous revoir. C'est si frustrant. Tu voulais me parler, maman ? J'espérais te parler en tête à tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolar. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention ? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après au lard à partir de maintenant. Mais, maman ! Ma petite gazelle. Tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous ? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolar dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère, c'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow.
es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir ? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus ? Oh non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal ? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et deux cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas ? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolard pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi, si ? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. On peut vraiment apprendre beaucoup de choses quand on reste silencieux dans la salle commune. Tout le monde s'y sent libre de parler de... J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard.